Et bien salut à tous les amis, c'est Bitel2, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon Colosseum. Donc du coup ça fait super plaisir de vous retrouver sur cette série, ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait. Parce que j'étais en vacances tout simplement. Donc du coup voilà, je voulais vous dire aussi merci pour les 15 000 abonnés qui viennent d'être franchis sur la chaîne. On est déjà quasiment 15 100. Donc vraiment merci. Je sais pas que si les nouveaux viendront voir donc cette série, mais en tout cas si vous venez, merci à vous d'être là, merci à vous de vous être abonné, ça fait toujours plaisir. Donc du coup cette vidéo paraîtra pendant la PGW, j'ai tourné plusieurs épisodes là je pense. En tout cas ça me fait super plaisir de vous retrouver là dessus parce que ça faisait un gros bail. En plus je me suis procuré une manette de Xbox 360 PC, donc ça fait vraiment du bien de pouvoir jouer avec une manette sur PC. Parce que bon, avant j'émulais ma manette de PS3 tout simplement. Sauf que la manette de PS3, enfin le logiciel qui émulait ma manette de PS3 est décédé. Me demandez pas comment, hein. Mais il ne marche plus, même j'ai fait plusieurs réinstallations et tout. Que dalle. Donc voilà. Donc du coup je me suis procuré une manette de Xbox 360 pour PC. Elle était vraiment pas chère, elle était à 15€, donc je me suis dit bon allez, on saute dessus. Puis du coup comme ça, ça m'a permis de tout simplement acheter ma manette de 360. Elle était à la Fnac pour ceux qui veulent savoir. Je crois qu'il y a une promo jusqu'à fin novembre. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez besoin d'une manette PC. En tout cas les boutons se mappent très vite, les drivers sont reconnus directement. Donc y a pas de souci à ce niveau là, donc foncez si vous en avez besoin. Alors du coup on a un Tilton obscur. Le Tilton obscur, on va essayer de le capturer parce qu'en Altaria ça fait plutôt mal quoi. Par contre il a fait vol donc on peut pas le taper, c'est absolument formidable. On va y aller sur Terral hein. Choc mental ça va pas lui faire grand chose hein. Ouais voilà. Acier donc bon. Voilà. Donc Tilton utilise vol, très bien. Ah oui, le fameux bélier de Terral. Du coup, on va faire juste morsure au niveau de... on va faire un retour dans la gueule de Terral. Bah oui, faut essayer d'affaiblir Tilton quand même, histoire de capturer, parce que ça me ferait chier de pas l'avoir, en fait. Vu que c'est quand même un Pokémon assez OP une fois qu'il est en Altaria, j'aimerais vraiment le choper, quoi. Berceuse ? Oh, il rate son attaque, oh, lui. Par contre, Terral, tu vas douiller, quand même. Parfait. Du coup, on va faire morsure sur ça, et on va faire choc mental sur Tilton. Et normalement, prochain tour, je pense qu'on peut choper Tilton. Normalement. Ouais, on peut le choper là, clairement. Clairement. Je sais pas comment on va faire d'ailleurs. On va prendre. Ouais, on va sûrement. Je vais partir, je pense, sur une Super Ball. Histoire d'être safe. Du coup, ça va nous attaquer. Berceuse. Oh, il réussit, dommage. Ok, donc lui, je crois qu'il die avec son bélier du coup. Ouais, c'est ça. Ok, bon allez, c'est parti. On va niquer ta mère. Un truc horrible, quoi. Allez, hop, du coup, on part sur des objets. Parfait, bon allez, let's go. Tilton, tu es à moi. Mentally, on va faire un choc mental, ça ira très bien. Alors voyons voir si on va le snatcher. Je pense qu'on va le snatcher quand même, faut pas déconner non plus. On a réussi à le snatcher, c'est parfait, dites-moi. Allez hop, choc mental de Noctalie, de Mentally, putain. Et ouais, j'ai du mal ce matin. Oui, parce que je tourne ça ce matin. Enfin, je tourne le matin.
Donc je suis pas très réveillé non plus, hein, que tu vois, et voilà, un moment, faut arrêter, hein. Bon, très bien, sa folie lui inflige des dégâts, bon, clairement, le combat est win. Allez, hop, choc mental, et tarp plus coco. Et hop. Très bien, donc on l'a battu. On va juste aller soigner nos Pokémon puisqu'il y en a un endormi, hein, faut pas oublier quand même, c'est chiant. Donc clairement, nous allons donc nous soigner. On avance tout seul. La manette avance toute seule. Ah non, d'accord, ok. C'est juste ultra sensible en fait. D'accord, très bien. Ok. Hop. J'adore la musique de cet endroit. C'est trop bien. Hop. On soigne nos Pokémon. Hop là. Et du coup, Pokémon, on va juste regarder un truc quand même. Alors, Macronium, résumé, sa conscience est ouverte, il ne reste plus que le dernier pas. Très bien, parfait. Fouinette, on en est où? On en est... Ah, d'accord, 2 barres et demie. Alors, lui, clairement, sa conscience commence à s'ouvrir, c'est pas trop mal. Et alors, lui, par contre... Je donne pas cher de sa peau, quoi. Clairement, commence à s'ouvrir, ok. Ok. Donc on est parti, putain, forcément je suis encore calé sur la PS3, donc du coup, je me cours dans les boutons, c'est pas grave. Du coup on y va, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Mais pourquoi ça fait ça? D'accord, ok. D'accord, bon il y a un petit bug au niveau du stick, c'est pas grave. Hop, ça doit être quand je l'ai paramétré puisque ça ne... Il y a pas de bug sur... Ah, et on arrive là. Maintenant, c'est plus qu'à trouver l'endroit, le chemin en fait, je pense. Ok, donc clairement c'est par là. On va juste aller vite fait explorer aux alentours, on va faire des objets. Ou autre. Hein. Donc très bien. Et bien on rentre. Et là, il y a Boule Disco! Wesh Boule Disco! Allez! Comment ça va? Téma, comment on danse avec des ludicolos? Allez! Mon dieu, quoi. Ça en avait mis du temps. Vous avez mis un temps fou pour arriver. Alors, on a fait quelques pas de danse en attendant. Causez bien des ennuis, encore un tout petit peu, ce serait si bien passé. Il me suffit de débarrasser de vous, le plan sera de nouveau en route. Je me dis qu'une bonne dernière danse frénétique pour finir votre histoire. Let's groove start! Et bien, c'est parti pour les amis pour le premier combat contre donc un admin. Toi-même, tu le sais. Allez! Mon dieu. Ludicolo and Ludicolo. That's gonna be. Difficult. Ok, bon, on est ready, les gars. Allez, on est chaud. Allez, hop, c'est parti. On va faire un gros mort. On va les spam. On va les spam comme des teupus. Allez. Oh, mais quelques dégâts tout de même, dites-moi. Enrico. Ok, très bien. Donc, ça met masse dégâts, clairement. On va avoir un petit retour, un dense pluie. Ah, il commence à pleuvoir. Donc très bien, donc là ils ont la puissance accrue, ça va me casser les couilles. Ah très bien, d'accord, ok, très bien, formidable. Formidable, la pluie continue de... Oh ta mère. Clairement ta race quoi, un moment, faut attendre ta corne. On va voir ce que... Wow, tu vas te calmer tout de suite avec ton Volvi là, hein. Un moment, moi je... Non, voilà.
Bon, ça va, remarque, hein, ça fait pas trop de dégâts sur Noctalie. Sur Mentally Noctalie. Voyons voir un retour, combien de dégâts ça fait. Ah, c'est pas top hein, quand même. Hein. Ouais, non, c'est pas top, 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 top du tout, quoi. Ok, bon, allez, c'est parti. Vampigraine. Bon, ça devrait aller aussi, ça. C'est pas trop gênant, Vampigraine. Hop. Allez, on est chaud, on est chaud. On est contre Bull Disco. Il a cuvette en plus, ce bâtard. Putain. Du coup, bon, on va focus cet enfoiré. Hein. Ah, mais il est sérieux avec son étonnement, lui. Du coup, il va être surpris et tout. Parfait, formidable. Oh putain. Fais chier. Eh, tu veux qu'un soukouille et le ludicolo, hein. En plus, il en a 4 là. Gna gna gna. Putain, il va se régénérer une masse quoi. OMG, moment, what the fuck quoi. Tout ce qui se régène quoi, please. Cuvette, allez, vas-y. Taras quoi. Un moment, voilà, hein. Mettons-nous d'accord. Ah bah voilà, pistolet à eau, c'est de la merde. Bah si, c'est accru avec la danse pluie là. Eh mais OMG, intelligent quand même le bâton. Seriously. Seriously. Très bien. On continue donc avec morsure. Donc du coup là il décède normalement. Voilà, il est décédé donc. Oula. Allez. Allez. Mon dieu quoi. Mais cette musique est juste trop épique. En plus tu le regardes, il danse en rythme et tout. Allez. Non mais just die, please. Ok, donc c'est parti. On va focus de Targ là. Tellement il est relou. Donc là ça va se finir sur Mentally. Histoire que Mentally décède forcément. Allez hop. Douille bien Coco, ça commence à faire quelques dégâts quand même. Hein. Allez go. Non mais cette musique me fait trop triper quoi. Par contre le méga sensu on en parle ou pas? Parce qu'à un moment là... Moi je veux bien hein. Oh là là, les dégâts, les dégâts, les dégâts. Ok, et on va faire du coup un choc mental sur celui-là. Hein? Puisqu'il faut bien commencer à le taper, faut pas déconner non plus. Bon, ça met quand même masse cher, hein, choc mental. Hein. Et hop, donc il nous reste encore un dernier ludicolo normalement. Eh, sérieusement, le mec il se tape des barres avec ses ludicolo quand même. Hein. Genre un match, allez les Nicolo. Danse pluie, ça c'est nice. Est-ce que ça veut dire que du coup on va pouvoir soigner notre Mentally de façon au calmesque? Ah non, il décède, très bien, formidable. Je suis heureux. Fu. Très clairement, fu. Avec le tard là, qui se régène complètement là, fu. Allez ma crocro, on est chaud. Allez ma crocro, on est chaud. Lui on va lui niquer sa mère lui. Allez. Swing, 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 swing. C'est trop drôle. Eh sérieux, ils sont casse-couilles hein. Mais genre over 9000. Eh bah forcément hein. Bah oui, le mode hyper connard. Putain de... Allez, relou, relou, relou là. Relou, gros, 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 relou là.
On va changer de Pokémon, on va foutre Fouinard, très bien, parfait. Formidable. Macronium, on appelle Macronium, appelle Macronium, blablabla. Bla bla bla. Allez hop, c'est fini le mode hyper, parfait, formidable. On va du coup faire rentrer Noctali, on va lancer Fouinard. Étonnement, vas-y, continue ta mère, hein. Allez, vas-y. Combo griffe. Ouais, combo griffe encore, ça va, c'est pas trop mal. Il m'a enlevé. Ah mon dieu, il m'a enlevé 15 PV. Ok, allez hop, full charge noire. Eh hey, mais vorace avec vos étonnements partout là, un moment, please. Allez hop quoi, please, just die, un moment quoi, faut arrêter de déconner. Combo griffe, très bien. Absolument formidable. Oh putain, 4 fois là, ça va, maman. Voilà. Dans ta gueule. La pluie continue de tomber. Cuvette. Oh mais cuvette quoi. Vous pouvez pas trouver un nom d'attaque genre, je sais pas, plus swagué quoi. Parce que cuvette à un moment, bon, voilà quoi. C'est pas top, je vais pas le cacher. Oh, just die, please. Allez, 12 PV quoi. Ah bah oui, forcément, on lance méga sensu, sinon ça marche pas. Bah oui, attends, moi j'ai besoin de me régénérer quoi. Moi je suis un gros bâtard. Non mais please quoi, just die. Ah mais non, on a plaquage. Ça c'est bien plaquage. Putain, enfin Ludicolo décédé quoi. Simularbre. Voilà, c'est lui son Pokémon obscur. Lui clairement le capture, hein. Simularbre, j'adore ce Pokémon. Aranta, allez. Allez hop, là on lui fait un gros plaquage dans sa gueule. Est-ce que t'es paralysé s'il te plaît? Dis-moi que t'es paralysé, putain. Pourquoi ça marche pas? Ça marche jamais comme je veux ce jeu vidéo. Allez, c'est parti, formidable. Ludicolo tranchère. Oui, bah oui, c'est sûr que ça va nous faire beaucoup de dégâts, n'est-ce pas? Oui, bah oui, hein, sur un Pokémon de type plante, ça va faire masse dégâts. Non mais please, le coup critique, à un moment, voilà, hein. Une était en mode hyper, formidable. Ah très bien, les deux sont en mode hyper. Ah oui, bien, bien. Ah oui, comment bien perdre son temps quoi. Moment. Vous avez d'autres idées pourries les gars. Seriously. On va sortir des mandats. On va sortir une des mandats. Alors, allez. Qu'est-ce que ça va donner, quoi? Fouinard, non, il faut appeler Fouinard. Démantage, charge noire sur Ludicolo, n'est-ce pas formidable? De toute façon, on va les avoir en mode... Ah, clairement. Ouais, mais par contre, genre, le tard, là, il va nous mettre masse dégâts sur Démantage. Pardon? C'est tout? Dites-moi que c'est une blague. S'il vous... Oh, les dégâts. Oh, les dégâts du coup critique. Mon dieu. Et on va faire... Report, butel, oh, blablabla, générateur, blablabla, report. Enfin, bref. Ouch. Ok. Non, mais ok. Ok. Donc on fait donc vive attaque là-dessus et on va faire une charge noire sur lui. N'est-ce pas formidable? Attention, zbré! Je t'ai cassé la gueule, bâtard! Allez, on continue. Allez, hop, la petite charge noire qui passe bien! Que dalle! What? C'est tout?
Mais t'as une défense de gros bâtard en fait, à un moment là. Jeune FDP. Hein? Défense de pute. Clairement. Squillfish. Donc clairement on va faire une vive attaque et on va balancer un objet sur Noctalie, hein. Voilà, je pense qu'on est vraiment clairement d'accord, hein. Hop, Noctalie. Formidable. Alors, on va voir les dégâts de Fouinard. 0 dégâts. Ouais, super. Charge noire sur qui? Sur Quillfish? Ouais, c'est nice ça par contre. Ça, c'est clairement nice. Clairement, clairement nice. Du coup, il souffle du poison. Putain, les dégâts du poison, quoi, OMG. Du coup, on va lancer. On va commencer à lancer des Pokéballs. Histoire de voir. On va lancer une Hyperball. Voir si on peut le pécho. Objet. On va soigner Fouinard tout de même. Hyper potion Fouinard. Histoire de voir ce que ça donne. Bon, j'y crois pas trop, hein, quand même, à la capture, là, pour le coup. Mais bon, peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'il va être dur tout de même. Ou pas. Ok, j'ai rien dit, vous n'avez rien entendu, on l'a capturé easy. J'ai fait un faux pas. Ah non, quel manque de rythme. Allez. Eh bah très bien, on l'a torché. Comment osez-vous? Vous pensez vous en sortir sans Boba? Un jour je vous montrerai un fabuleux pas de danse qui vous expédiera en enfer. Oh, et ce plan Pokémon ne sera pas abandonné, c'est pour si peu. Let's move, fuite. Ah oui, très bien, donc le mec fait comme un ninja, quoi. Ok. Y'a d'autres boîtes, wesh. Putain, y'a rien. Je suis dégue. Un PZP. Ah, par contre, ça. Un rapport. Un dossier tech. Le lire, on va lire. La purification des Pokémon. Les Pokémon obscurs est un Pokémon qui l'on a transformé en machine de combat en lui fermant sa conscience. Alors, ramener ce Pokémon à son... s'appelle la purification. Le mécanisme de cette transformation n'est pas encore bien compris, mais il existe plusieurs facteurs. Nous devons... résister à cette purification qui ne puisse plus jamais retourner à son état d'origine. Bande de bâtards. Bande de putes. Clairement, quoi. Bramacho. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Donc, Poseipi. Coucou, Poseipi. Tout va bien, Vitel. Oh, Poseipi. Oh, regardez, lui, il est tout mignon. Disco a réussi à s'enfuir, mais les choses devraient revenir à la normale ici. Je ne sais pas quoi dire. Oublie ça, Sylva. Tout le monde est sauf. C'est ce qui compte. Beetle nous a même débarrassé de boule disco. Pihi. C'est horrible. Comment ça, Poseipi? Après tout ça, tu dois avoir très faim, non? Allez, Beetle, on quitte cette caverne en quatrième vitesse. Je te remercie pour ton aide encore un peu plus. Et Poseipi aurait été transformé en Pokémon obscur. Ouais, clairement. J'en tremble encore. Je suis si contente, papa! Et Poseipi aussi! Non, mais c'est horrible de parler, en fait, avec une voix de fille. Surtout de fillette qui a 12 ans et demi, n'est-ce pas? Mais tu crois mon Poseipi avec toi? Et qu'il veut vous aider aussi. Poppy! Coucou, Poppy! Oh, il est trop mignon. Alors, donc clairement, nous en avons donc fini avec cette zone. Du coup, je pense que nous allons tout simplement... What the hell? Wesh, biash!
C'est peut-être mon imagination, mais cette ville a l'air un peu plus propre. Malheureusement, l'ère Nosabombe n'est pas encore disparue. Formidable. Rien ne vous échappe, Madame Mira. Rien ne peut rester caché dans ma maison de voyance. La clé pour libérer ces nanas se trouve au nord. Au nord, en parlant de celle-là que la maison de grand de l'homme mon grand-père, blablabla. Non, j'avais complètement oublié, j'étais en route pour les voir dans le rapport des bits un samarag. Ouf, ouf, le fait que je sois au nord ne doit pas être une coïncidence. Oh, dans sa jeunesse, mon grand-père était un dresseur célèbre. Peut-être qu'il pourrait répondre à la question. Allons-y, Bitel. Allons, y va, ma poule. Décaté, on va sur le dos de notre moto, parce qu'on pèse. Alors, voilà. On va donc, du coup, à Samaragd. Oh putain, c'est beau, hein. Ah oui, non, moi, je dis que c'est beau, hein. Allez, hop. On y va, du coup. Let's do this. Je sais où c'est. Parce que j'y jouais à ce jeu quand j'étais petit. C'est juste ici. Et là, tu fais wesh, papy. Adelbert. Olivier. Oh, mais c'est Xena. Voilà, tu t'es perdu en route. Il m'est arrivé quelque chose de terrible en venant. J'ai été kidnappé. Oh mon dieu. Le bâillement en live. Non, pas du tout en vidéo. C'est absolument formidable. C'est grâce à Vitel que Vassil m'a sauvé. Quelle horreur. Je vous remercie beaucoup d'avoir été secours. Notre petite fille. Qui voudrait te faire de même. Je pense que c'est parce que j'ai vu un Pokémon étrange. Oui, un Pokémon obscur d'inconscience et toute noire et qui n'est plus qu'une machine de combat. Des Pokémon obscurs, mais c'est quoi cette histoire? A l'aide, à l'aide, au secours. What the fuck. Ok, très bien. Donc, du coup, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode... L'épisode prochain. On se quitte sur cette musique absolument endiablée. Je vous dis ciao, ciao, et prenez soin de vous.